Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Julien Gamer 32, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Let's Play numéro 4 sur LEGO Jurassic World. Alors, pour info, ça a été développé par Traveller Tales, édité par Warner Interactive. C'est un jeu de type action-aventure plateforme, sorti le 12 juin 2015 sur PC et console, et c'est déconseillé au moins de 7 ans. Voilà, voilà, les éternelles infos. En attendant, je casse toujours les mêmes objets. Bon, c'est pas grave. Hop, on va reprendre notre Jeep. On fonce directement vers la mission numéro 4 qui s'appelle réalimentation. Si je casse ces trucs mais que je me bloque, ça va pas le faire. Donc réalimentation, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le niveau, c'est que dans le jeu, on va devoir, vous savez, réalimenter le parc en allant dans le sous-sol en cherchant notre collègue là qui est parti alimenter le parc, mais il revient pas. Donc on décide d'aller, d'y aller par nous-mêmes, et c'est là où c'est qu'on va croiser du Vélociraptor assez agressif. Je sais pas comment elle fait pour nous suivre celle-là, mais avec la vitesse à laquelle on roule, allez France. Alors. On l'enfonce direct, hein, vu que c'est le chemin. Voilà, alors ça va être par là. Je vais suivre un minimap pour pas me tromper. Et c'est ici. Ah ouais, d'accord, c'est côté intérieur. Bon, mais tant pis, on va y aller. Par le TP, j'y suis à la voiture, mais c'est pareil. Alors, donc, jeu libre, j'ai découvert la brique Ambre, ça c'était le... Je crois que c'était le T-Rex, mais je vous dirai où elle se trouve, cette brique Ambre. Et ben, les 10 mini-kits aussi. Bon, les 10 mini-kits, le premier va être un peu plus dur à obtenir, puisqu'il faut détruire 3 pancartes avec la caméra qui est... C'est-à-dire devant nous, pendant que nous, on court vers la caméra. Donc pour voir les panneaux où ils sont, c'est pas très très évident, mais je vais essayer de les avoir. Sinon, ben, je referai le niveau exprès pour débloquer ce mini-kit. Voilà, voilà. Donc on se retrouve après la cinématique. Vous voulez apprendre quelque chose? Regardez donc en dessous. À en juger par la carte, le centre d'accueil est à moins d'un kilomètre. Juste derrière. Wow, wow, oh. Des mangeurs de viande, des viandosaures. Regardez ce tournoiement, ce changement de direction. C'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Ils volent par ici. Donc voilà, niveau tout bête. Voilà, bon, encore ça va, c'est assez simple. Il y a les flèches qui m'indiquent comment. Ah mince, j'ai raté les panneaux. Voilà, de deux. C'est un peu un troisième, pardon. Donc il y avait un mini kit volant au sein des trois. Ah non, je l'ai raté. Voilà, c'est bon. Bon, il y a assez de panneaux pour être sûr de ne pas le rater. Hein. Mais une fois que c'est bon, vous avez deux mini kits dans cette partie. Suivez-moi. Il y a quelque chose d'anormal. Je vais rétablir le courant.
Ça n'a rien d'une promenade de santé. Je crois que je peux suivre ça et vous servir de guide. Bon, on y va. Suivez-moi, par ici. Monsieur Arnold ! Monsieur Arnold ! Voilà ce fameux monsieur Arnold. Donc là, on va prendre le personnage à pistolet. Il y a quatre choses à détruire. Ici, quatre lumières pour obtenir un mini-kit. Oh, comme d'habitude, je vais tout casser. Alors ici, vous prenez Madame Ellie, qui va fouiller un patient, et à l'intérieur, il y a la brique ambre. Bon, moi, je l'ai déjà ramassée, hein. C'est celle du Vélociraptor, et pas celle du Trial, comme je vous disais, je me suis trompé. Hop, au-dessus de cette fiente, il y a une lumière à détruire aussi, ça fait la deuxième. Ici, n'oubliez pas de taper avant de sauvegarder pour récupérer au max deux pièces. Ce sera toujours ça de gagner pour vous. Voilà. Ouais, ça va. Je vais l'oublier. Alors, là vous prenez un personnage avec de quoi ouvrir. Donc lui, par exemple, il a une espèce de clé rouge dans le dos, il peut ouvrir les portes. Vous aurez le cadenas et vous rentrez pour ramasser le mini-kit. Pourquoi j'ai un truc, une flèche vers là ? Je ne sais pas, niveau tourne, remarquez. Bon, on reprendra là. Les vélociraptors sont pas loin. Ensuite, il y a lui. Lumière. Rouge à péter. Ça fait 3. Hop, on pète aussi. Ah merde, c'était déjà pété. Donc on ramasse ça. On va jusqu'au point qui nous indique en marchant. Pour trouver la clé. Bien sûr, il y a pas mal de choses à péter ici, mais il faut encore le voir. Bon, j'ai tout pété ici. Mince, la clé est repartie là. Ah bon, cette fois-ci, je vais pas la faire tomber, je vais ouvrir avant de faire quoi que ce soit. Ah, là il me faut un personnage qui réalimente les systèmes. Par exemple, lui. Bon, si vous avez débloqué une épreuve, vous débloquez tous les personnages nécessaires pour vous faire. Ben, pour vous débloquer tout ça. Mais c'est scripté ça. Ça m'intrigue de voir ce petit cette petite flèche ici qui clignote, parce que si je rate une ampoule, mais ça m'étonnerait parce que les ampoules j'ai tout vu. Là on revient au début, donc non, c'est pas ça, c'est vraiment, oui, il faut continuer par là quoi. Continuer par là. Ah oui, d'accord. Vu qu'il y a de quoi faire passer Timmy, enfin Timmy ou un personnage petit,
l'occurrence, c'est Gary Mitchell, ouais. On le fait passer dans une zone qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Donc ça fait 5 ici. Donc n'oubliez pas de faire passer votre personnage dans cet endroit. Hein. Ah bon, t'as pu jeter tes fusils comme ça. Voilà, c'est un personnage assez grand pour couper le jus. Enfin, couper le jus. Voilà, pour couper les arrivées de vapeur. Hein. Voilà, la deuxième, et ensuite, mais la balle fait l'intégralité des vapeurs. Et voilà. Et là, vous êtes tranquille. Vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez. Dommage que la caméra ne veuille pas tourner, on ne peut pas voir ce qu'on... Voilà. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié qu'il y avait une bestiole ici. Merde. J'avais oublié qu'il y avait un vélociraptor. Et voilà notre dernier mini. 4. Voilà, c'est parfait. Là, on va attraper notre cher ami Ellie Sattler pour fouiller. Je sais pas pourquoi aller dedans. De quoi passer une porte, ok, avec un petit. Toujours pareil, on le prend, on y va. Il va nous emmener dans une zone complètement inconnue que je découvre avec vous. Hein, jamais faite. Tomber une année avec un vélociraptor juste dans cette zone. On l'a pas envie, on le pétera après. Je vais pas faire le pire là, parce que là franchement je ne connais pas du tout du tout. Et quand on sait que les vélociraptors peuvent nous sauter à la gueule sans prévenir, même si c'est pas non plus. Voilà, c'est un jeu où on est défoncé au moins de 7 ans, mais ça peut surprendre quand on s'y attend pas, quand on est concentré dans son jeu. Ça peut surprendre. Hein. Je vais prendre un galimini, un cosmo, je sais pas quoi là. Ok, le jus a été rétabli ici. On va reprendre un personnage. Non, je veux. Je veux ramasser toutes les pièces, je veux pas laisser perdre. Oh, ouais, c'est bon, les deux petites pièces, trois là. Vu que j'ai mon multiplicateur x2, bon, c'est pas le plus grave. La plus grave dans le jeu, ce serait plus grave si j'oubliais certains éléments de mini-kit ou de l'ambre à ramasser. Là, oui, ce serait grave. Voilà, c'est 2-3 petites pièces par là, on va pas tout aller. Par contre, il me faut ça. Voilà, je laisse pas quelque chose. Ah, ouais, non, mais là, ça faisait vraiment beaucoup trop de pièces. Je vais aller là, je vais détruire tout ce qui est en bas, comme ça je l'oublie pas. Donc je pense que je vais partir en l'oubliant. Là, est-ce que c'est destructible aussi? C'est destructible. Voilà. Ah là, on peut dire que je vais laisser l'endroit propre. Hein. Voilà. Hop, viens mon petit. Ici, en même temps, tu vas m'activer le deuxième système avant de repartir encore. Ok. Ah, il faut rallumer tous les trois. Il faut rallumer les trois ampoules, en fait, tout bête. Que ça, le cosmo machin là peut rallumer.
faut que j'ai son nom parce que... Komso... Le Komsomiatus, voilà. Et mon Vélociraptor argenté. Mais lui, il me sert à rien dans le jeu. Enfin, il me sert, mais voilà, c'était juste pour... un succès. Ouh, c'est beau. Ah, chouette, il me reste des trucs comme ça. Avec un mini-kit à construire. Oh, mais c'était ça les trucs, hein. C'était ça les flèches qu'il y avait sur le début du niveau mais que je ne pouvais pas atteindre. Avec cool, j'ai ramassé toutes les pièces. Je ramasse le mini-kit numéro 8. Et là, on voit que toutes les flèches ont disparu. Donc, je pense que je suis à jour au niveau des mini-kits de cet endroit, puisqu'il reste une dernière partie à explorer. Dehors, la traque. On va reprendre un personnage petit qui retraverse, voilà. Bingo. Ouais, y a plus de... Y a plus de flèches, donc je dois être à jour au niveau de ce que je dois ramasser. Moi, ça me fait plus de trucs à détruire. Non, non, c'est pas revenu. C'est juste que j'étais passé devant en les oubliant. Ça m'étonnait des jeux Lego qu'il y ait un bug comme ça. Quoique, comme je dis depuis que les jeux sont passés sur Steam, c'est bourré de bugs. Et encore, oh là, c'est vraiment une chose étrange, c'est que les bugs qu'il y a dans les jeux Lego, ceux Lego du moins, ne sont plus présents quand je joue avec un enregistrement avec action. Incroyable. Donc là j'enregistre, ce que vous voyez c'est vraiment tout ce que j'aurais dû voir moi en jouant en solo. C'est incroyable. Je vais celle avec la lampe. Enfin plus réaliste, voilà. Voilà, le message n'y est pas, mais normalement, quand je fais relever le panneau comme ça, il me dit il faut réamorcer avant de relancer le système, comme dans le film, quoi. Parce que là, j'ai pété justement le système. Donc là, on va le relancer. Bingo. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Monsieur Arnold. Son petit angle qui tape. Ah, voilà, parfait. Il me manque les deux derniers mini-kits. Ils sont là, justement. Hop, on tape le point de save 3 fois pour... récupérer le max de pièces et ensuite on le retape pour le détruire et récupérer les dernières petites pièces grises qui nous manquent. Là pareil, il y a des phrases normes. Robert Muldoon il nous dit oui, c'est eux qui nous traquent. Enfin, en fait, marchez doucement parce qu'ils nous traquent, machin. Ah, et c'est les déconvenus de l'histoire un peu. Un peu solo, malheureusement. De l'histoire, solo. Un jeu libre, pardon. Le jeu libre, malheureusement, nous fait perdre quelques petites phrases cultes que l'on peut entendre dans le film. Eh ouais, bon, c'est pas grave, hein. J'espère pas que j'oublie pas rien. Hein. Non, il sait rien. Il y a des... En fait, il y a 4 nids à détruire dans le jeu. 4 nids.
Allez, voilà, je vais faire arroser la plante pour que lui puisse grimper. Je vais essayer de m'amuser avec comment il s'appelle le logiciel? Il y a un truc à faire ici. Avec un logiciel qui s'appelle Dragon Unpacker, voilà, cherchez son nom. Je vais pouvoir extraire les fichiers sonores du jeu. Pour récupérer que ce qui m'intéresse, donc des voix précises, les musiques, ou alors les bruitages des dinosaures, par exemple, le cri du T-Rex, quand on le fait crier, justement, ça c'est un fichier sonore qui est enregistré dans le jeu. C'est un fichier sonore spécial. Je vais essayer de le récupérer, c'est vachement sympa les bruitages de dinosaures dans le jeu. Enfin, hors du jeu même, ça m'a toujours trippé d'entendre le cri du T-Rex comme ça, c'est super bien fait comme cri. Hein. C'est un bruitage en fait, le cri du T-Rex, quand le tout premier Jurassic Park était sorti, c'était un cri qui avait tellement fait pas peur, mais voilà, c'était vraiment... Waouh, c'est comment ils arrivent à faire des choses aussi super bien réalisées quoi, un bruit, un son comme ça, voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément le cri du T-Rex. Comment ils ont réussi à faire un son aussi puissant et comment dire, énigmatique à écouter quoi, c'est incroyable. Pourquoi j'ai la flèche qui part par là? Oh, j'ai failli en oublier un. Voilà, deux. Et j'ai encore une flèche qui part par là, j'ai dû en zapper un. J'ai une flèche qui part par là et je ne sais même pas pourquoi. J'espère que je vais avoir l'œuf là-bas. 8, 9, 10. 3, 4, les œufs sont là-bas. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris pourquoi. Il y a une... Je vais pas y aller de suite parce que je sens que je vais me coincer après. Je vais prendre mon vélociraptor spécial. C'est vraiment spécial. Parce que c'est un vélociraptor qui pousse des cris d'un T-Rex. Voilà. Ouais, c'est moi qui l'ai trafiqué dans le générateur de dino. En fait, il y a un endroit dans le solo nous permet de créer des... Ok. Et là, je vais prendre Alan Grant, qui est un des rares à pouvoir creuser, et qui va me déterrer le mini-kit. Voilà. On va reconstruire pour récupérer le morceau. Et voilà, bingo. Vous voyez, quand on fait pas le... quand on fait le jeu sans... en faisant tout pour pas ramasser les mini-kits, déjà, bon, je me suis perturbé un peu mon histoire, parce que j'étais concentré sur... sur le fait de ne pas ramasser mes mini-kits et pas énormément dans le jeu quoi, donc c'est dommage, j'ai raté quelques trucs. Et vous voyez, ben, du coup ça prouve bien que je ne sais pas où se trouve où se trouvent les mini-kits quoi. Vous voyez, je galérais pour l'avant-dernier, donc voilà. Donc vous détruisez l'œuf, les 4 œufs, et vous obtenez le dernier mini-kit. Bon, vous serez attaqué à plusieurs reprises dans le jeu comme là, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, eh bien, il faut simplement faire des actions QTE. Il faut suivre ce que vous montre l'écran pour terminer la suite. Quoi. Sinon, vous serez bloqué. Oh, ça roule. Bon, on est en France. Je me demande si on peut les... Ah, c'est un...
Alors ici, il y a des... Voilà, il y a des trucs à ramasser, vous allez voir. Il faut que je farfouille, puisqu'il y a un T-Rex qui s'est planqué dans les arbres, là, dans un des trois. Il faut juste que je tire au bon endroit. En fait, c'est tout bête, il suffit de suivre les mouvements. Sur les mouvements pour voir où est le dernier, où est le T-Rex. Si on vise mal, il nous attaque comme ça. Vous voyez par exemple là, j'ai vu que ça s'est arrêté de bouger à cet endroit. Voilà, bingo. Voilà, vous faites que suivre les mouvements. Milieu, vous. Voilà, là c'est parti sur la gauche. Oh. Ah, pareil, faut suivre. Milieu, gauche. Et c'est encore à gauche. Et voilà, j'ai assommé le vélociraptor. Courez. Il est à moi. Petite futée. Petite futée. Et donc voilà, le niveau est terminé. Comme d'habitude, musique arrêtée pour pas m'avoir les droits d'auteur. Ouais, 227 000 pièces, c'est sympa. Ok, véritable survivant débloqué, mais ça je l'avais déjà eu dans le solo. Mini kit, donc les 10. Donc Vélociraptor ou T-Rex? Non, Vélociraptor, vu les griffes, hein, le du bas là. Ah, il est mal fait par contre le squelette du Vélociraptor. Ils auraient pu un peu mieux s'appliquer. Ok, donc les briques ambre sont vraiment en rapport avec... Donc dans ce niveau, il y avait la brique ambre à ramasser qui était celle du Vélociraptor et les mini-kits sont seuls... sont ceux du Vélociraptor version squelette. Donc briques et ambre, enfin briques d'ambre et mini-kits sont strictement identiques. Donc voilà, le niveau est à présent terminé pour celui-ci, donc alimentation, réalimentation, pardon. Donc on est à 10 sur 10. Et en plus, je me rends compte au début, il y a eu la vidéo, ça tombe bien. Comme ça, ben, ça me permet de gagner du temps au montage. Bon, j'ai eu un petit trafic sur internet parce que j'avais un doute sur un des mini-kits à ramasser. Donc je suis allé vérifier sur jeu actu. Voilà. On va pas se mentir. Hein. Y a quoi à faire ici? Ah, une petite course. Bah attendez, je vais la faire avec vous. Enfin, je vais la faire avec vous. Si c'est possible. Déjà, je vais ouvrir ça. Alors, il me faut cracher sur ça. Mais non, pas ça. Voilà, faut cracher là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Strictement rien. Magnifique. Salut. Vous sauriez pas comment on sert de ça par hasard? C'est la machine pour nourrir les dinosaures. J'arrive pas. Bah si, c'est facile. Je suis peut-être pas plus futé qu'un dino, hein? Non, je dis des bêtises. Je porte un pantalon, voilà, c'est ça! Les dinos n'auront plus jamais la fringale! Sauf les carnivores, mais bon, le personnel est là pour ça, en fait. Alors avec ça, vous tirez sur l'alimentation. Et avec un deuxième personnage, vous allez tourner la manivelle de l'autre côté. Et voilà, et ça vous fait descendre donc une brique rouge quand vous êtes en. Quand vous l'avez pas débloqué, sinon je crois que c'est 10 000 qui vont tomber. Ah bon? Ah oui, il faut un deuxième coup. Ou pas, bon, ben la brique ne tombe pas. Ben, la brique ne va pas tomber, ça c'est sûr. Bon. Alors ici, il y a une brique dorée. Mais je ne sais pas comment l'atteindre. Magnifique. Il va bien falloir pourtant. Hein.
Alors, est-ce qu'elle s'ouvre de ce côté ou est-ce qu'elle s'ouvre de l'autre? Je n'en sais strictement rien. Je vais potasser ça. Pour être bien comme il faut. Bon, ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. Bon, tant pis, j'ai pas les véhicules pour vous montrer la course. Hein. Peut-être que ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, bon, je vous montrerai quelques petits détails de toute façon avant de finir le jeu. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu égale à merci, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, ça me fera aussi plaisir et j'y réponds à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en suivant le lien qui est en bas de la description. C'est un lien de confirmation directe. Ou alors vous cliquez sur mon pseudo et ça vous permettra de cliquer sur s'abonner. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et vous aurez plein d'autres vidéos à venir, à savoir d'autres let's play. La suite de celui-ci, bien sûr, non mais d'autres let's play. Des tests à découverte, des tutoriels, des unboxings, etc., etc. Il y a pas mal de choses à voir sur la chaîne pour les jours et les semaines à venir. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi que j'ai une page Facebook. Si vous n'êtes pas, vous n'y êtes pas, allez vous y aller. Vous pouvez liker la page pour suivre toutes les dernières news en rapport avec la chaîne, à savoir les dernières vidéos, mais aussi tout ce qui se passe en fait sur la chaîne. Par exemple, ces temps-ci, je suis avec une grosse galère internet. Les techniciens sont venus, mais j'ai toujours des problèmes. Enfin bon, c'est magnifique. Donc voilà, bon, je marque un petit peu mes états d'âme, on va dire. Des trucs très inutiles, bon, je les mets. Voilà. Bon, et bien, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.